Bonjour, chers enseignants, membres de la direction et élèves de l'école Arc-en-Ciel, Éclaireur et Sainte-Anne. Je suis Danielle Joyce et je suis ici aujourd'hui afin de me présenter comme candidate pour le poste vice-président sport et mieux-être. Depuis toujours, je m'intéresse à la médecine. Il est très probable que ceci provienne de l'émission Grey's Anatomy, mais peu importe. C'est le domaine qui m'intéresse. C'est dans ce secteur que je veux me former une carrière en psychiatrie. Grâce à cette passion, je possède différentes perspectives sur les composantes de notre quotidien. Autant que j'adore les dimanches désignés au football pour regarder Patrick Mahomes, le dessin de mandala ou la participation dans le cours de gym, je comprends leur importance. L'activité physique et une bonne santé mentale sont deux facteurs clés à notre succès. Donc, pourquoi voter Danielle Joyce? Une question que vous vous demandez sûrement. Depuis la 9e année, je suis membre du comité santé et impliquée à organiser des demi-journées et semaines santé dont la majorité d'entre vous profitez. Durant mes 5 ans à l'école Sainte-Anne, j'ai été impliquée dans une variété de projets humanitaires, dont un qui m'a particulièrement touchée, est à une levée de fonds pour un jeune Chinois orphelin souffrant de palliatif. Avec les sous amassés, il peut maintenant débuter à recevoir les soins qu'il lui faut. Lors du mois de décembre, le projet Sac à dos nous a mis à l'épreuve. En raison de notre participation, la vie de plusieurs étudiants à l'école Sainte-Anne a été améliorée. C'est grâce à votre générosité. Finalement, les sports, tels que le soccer, la natation, le ballon panier, ont toujours joué un rôle indispensable lors de ma jeunesse. Maintenant, je fais de la danse compétitive. Par contre, ces diverses activités à laquelle j'ai pu participer m'ont permis de comprendre l'engagement requis pour les sports. Pourquoi que pour plusieurs d'entre vous, c'est ce qui vous tient à cœur. Au cours de la semaine, j'ai eu l'opportunité de discuter avec plusieurs d'entre vous afin de partager mes objectifs pour l'année prochaine. Bouger, varier, réaliser. Je veux vous assurer une école active et diversifiée. Mais comment atteindre ces objectifs? À l'aide des sports intramuraux, débutant au début de l'année, je veux vous donner la possibilité de pratiquer vos sports préférés en prenant compte de ce qui vous intéresse à l'aide de sondage. Je voudrais organiser en moyenne 4 à 5 sports et faire en sorte qu'on retrouve différents matchs vedettes au cours de l'année. Deuxièmement, je veux introduire une plus grande variété à l'école. Avec la collaboration de différents membres de la communauté, je planifie proposer une nouvelle clientèle avec qui ils peuvent partager leur passion, que ce soit le dessin, le chant ou le taekwondo, les possibilités sont infinies. Sur ce même ordre d'idées, je voudrais mettre en planification un projet junior pour les années à venir. Avec le support d'un artiste et la participation des 400 élèves de notre école, le résultat final est certain d'être incroyable. Profitons de celle-ci pour déclencher un mouvement. Peut-être que c'est un schéma dans la cafétéria qui souligne la santé mentale, ou même une sculpture dans le carrefour, fabriquée à partir de matériaux recyclables pour démontrer l'importance de l'environnement. C'est ce genre d'initiative que je vais concrétiser. Comme dernier point, selon moi, le poste vice-président sport et mieux-être nécessite de nombreuses qualités. Avec ma persévérance et ma détermination, je suis certaine de pouvoir réaliser une année active et variée pour vous. J'espère que mes objectifs s'alignent avec les vôtres et je suis prête à vous assurer une belle année. Je souhaite sincèrement avoir votre vote. Bougez, variez, réalisez, votez Danielle Joyce pour vice-présidente Sport et Mieux-Être. Merci.